Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter Alors, je suis créateur de contenu, c'est comme ça que j'aime à me définir parce que c'est un peu ce que je fais sur différentes plateformes, surtout sur YouTube. Euh, je suis passionné d'histoire à la base et surtout de Napoléon, donc euh, ma chaîne YouTube est axée autour de, de Napoléon et de l'épopée impériale. À côté de ça, je propose des cours en ligne, notamment pour les enfants, euh, sur l'histoire de France et vraiment mon, mon cheval de bataille, ce fut l'histoire de France et actuellement je me suis euh, vraiment réorienté sur Napoléon qui est ma passion première et euh, la pensée, euh, l'idée bonapartiste. Je pense qu'elle a sa place en France euh, aujourd'hui et c'est ce combat culturel que je mène. Justement, comment vous est venue l'idée de, de faire des vidéos et notamment, surtout, votre passion pour Napoléon L'idée de faire des vidéos m'est venue en 2014 parce qu'il a commencé à avoir une, un grand intérêt, euh, une grande hype, comme on dit, autour des, de la vulgarisation sur YouTube. Alors on a eu des chaînes de vulgarisation scientifique qui ont commencé à émerger, y euh, e-penser par exemple, euh, des chaînes même de vulgarisation de tout et n'importe quoi sur le sur le langage euh, linguisticae, sur le sur les sciences, euh, sur le sur l'histoire notabene <laughs> qui a qui a commencé à percer à ce moment-là. Et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas moi aussi partager ma passion sur ce, sur ce réseau À l'époque, vraiment YouTube, 2014, c'était l'explosion des chaînes de vulgarisation. Et euh, j'ai créé ma chaîne à ce moment-là et j'ai commencé à faire des vidéos sur l'histoire militaire à l'époque. Justement, l'histoire, une... ce n'est pas une science dure. Donc, même s'il y a des faits historiques qui peuvent être interprétés, pourquoi est-ce que vous, vous avez voulu soumettre votre propre interprétation de l'histoire parce que c'est ma passion et parce que, comme vous le dites très bien, euh, l'histoire n'est pas une science euh, dure, l'histoire est sujette à interprétation. Si on devait raconter l'histoire, il faudrait la revivre euh, du point de vue de tous ces acteurs, en plus ce serait impossible, donc l'histoire est forcément euh, sujette à interprétation. Donc j'ai voulu euh, donner ma propre interprétation de cette histoire, parce que moi je ne cache pas mon manque d'objectivité, je pense que l'objectivité absolue n'existe pas. En histoire, on a des faits. On a des témoignages, on a des archives, des lettres, des dates, mais euh, prises bout à bout, ça ne représente rien. Il faut forcément lui donner un souffle, c'est le roman national, ou une interprétation, c'est le rôle euh, des historiens et de ceux qui commentent l'histoire. Justement, le roman national a tendance à enjoliver l'histoire française. Vous pensez que c'est une bonne chose Je pense que c'est une bonne chose pour faire nation. Euh, évidemment, le roman national a ses failles. Le roman national s'appelle ainsi, il y a le mot roman dedans, c'est romancer. Comme pour ce qui est des vulgarisateurs, euh, ne serait-ce que les vulgarisateurs comme Max Gallo, je cite le plus connu, ce sont des gens qui romancent l'histoire pour la rendre accessible. C'est un marchepied pour moi pour ensuite euh, aller vers des historiens plus euh, méthodiques, etc. Mais pour ce qui est du roman national, évidemment que c'est romancer, le but du roman national est de faire des Français. Aujourd'hui, on a perdu l'envie de faire des Français, on a honte de faire France, et justement, on enseigne l'extrême inverse à nos, à nos enfants, c'est-à-dire la haine de la France. On ne leur parle plus que de colonisation, esclavage, collaboration. Le roman national dans tous les pays du monde est fait pour faire une nation. Ensuite, quand on engage des études supérieures, là, on rentre un peu plus dans la technicité, mais il faut un récit commun pour faire France, pour faire nation. Donc je ne vois pas pourquoi on s'acharne à ce point sur le roman national parce que pour moi c'est vital pour une nation, pour un pays, pour une identité. Votre arrivée sur YouTube est-ce qu'elle a aussi euh, une certaine idée militante, idéologique Bien sûr que je ne cache pas. Encore une fois, quand on arrive sur ma chaîne YouTube, c'est limite écrit sur mon front. Euh, je suis un amoureux de la France, un amoureux de l'histoire de France. Je suis un passionné de l'histoire napoléonienne. Ça me fait vibrer, ça m'érisse le poil. Donc moi, contrairement à certains, là où je peux, euh, là où je peux me distinguer par rapport à certains, c'est que je ne me prétends pas objectif. Je, je dis d'où je parle, qui je suis, et j'essaye, malgré tout ça, de tendre vers l'objectivité, de m'appuyer sur des faits, sur des déclarations, sur des lettres, euh, sur des dates, etc. Mais je dis qui je suis et d'où je parle. Pourquoi cette passion pour Napoléon et pas pour, euh, je sais pas, Robespierre ou, ou une autre figure historique française C'est une question qu'on me pose beaucoup. Ma passion pour l'histoire et pour Napoléon, je pense qu'elle arrive. Avec le cinéma, elle se développe un peu avec les jeux vidéo de stratégie auxquels j'ai beaucoup joué, et ma passion pour Napoléon, je pense aussi qu'elle arrive avec la mini-série euh, Napoléon sur France Télévisions avec Christian Clavier. On est en 2002, j'ai 13 ans, je pense que j'en prends plein la vue, et euh, je pense que quand on regarde, quand on ouvre un livre et qu'on regarde, qu'on observe l'histoire de France, l'épopée napoléonienne c'est vraiment ce qu'il y a de plus éclatant, de plus intense, de plus épique, de plus tragique et un côté romantique. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est vraiment cette courte période au cours de laquelle il s'est passé des choses incroyables, de l'épique au tragique, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment le diamant brut. C'est ce celui qui brille le plus dans la boîte. Et c'est ça qui m'a attiré. Ces derniers temps, on met beaucoup aussi en avant les aspects sombres de Napoléon, euh, notamment le rétablissement de l'esclavage. Est-ce que vous pourriez, vous, commenter alors, les aspects sombres de Napoléon existent. Napoléon, je ne le déifie pas. C'est un homme avec ses failles. Il a pu commettre des erreurs, des fautes. Il a pu se laisser emporter par l'ibris. Il a pu se laisser emporter par son égo, par son caractère. Il avait un sale caractère, Napoléon. Mais, moi, ce que je dénonce, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est la morale anachronique. C'est les gens qui jugent l'histoire d'il y a 200 ans, 250 ans, parfois même euh, 1000 ans. Hein. Il y a des gens qui jugent l'Empire romain euh, à l'aune de nos mœurs actuelles, de nos valeurs actuelles. Et ces gens ont une vision totalement anachronique de l'histoire. Appliquer nos mœurs au Moyen Âge, ça n'a aucun sens. Par exemple, vous citiez la question de l'esclavage. À l'époque, l'esclavage était une pratique courante. Napoléon se fichait éperdument de cette question. Il la traitait avec pragmatisme pour des raisons politiques, économiques, diplomatiques, géopolitiques. À l'époque, ça n'avait pas le même poids. On ne peut pas lui reprocher d'avoir euh, euh, rétabli, maintenu, euh, la, nu la nuance est nécessaire. On ne peut pas lui reprocher ça avec notre regard d'aujourd'hui. Ça, c'est une démarche malhonnête et c'est malheureusement l'arme première des déconstructeurs. Quand on va euh, foutre en l'air une statue de Colbert à l'Assemblée nationale en l'aspergeant de peinture rouge et en le traitant d'esclavagiste pour le code noir, on est en train de juger quelqu'un d'il y a plus de 300 ans à l'aune de notre morale moderne, ça n'a aucun sens, c'est profondément malhonnête. Donc, reprocher des choses à Napoléon, oui, sans problème, mais le juger à l'aune de nos mœurs actuelles, c'est non. Pensez-vous que dans le futur, les figures contemporaines seront également jugées au, à l'aube des valeurs futures Si je prends un exemple par, euh, par l'absurde, et je ne le souhaite pas, je ne souhaite vraiment pas que cet exemple arrive, euh, si, on prend, si on regarde vers où se dirige la société aujourd'hui, il est possible que dans. 200 ans, 500 ans, on nous considère tous, vous, moi, Sandrine Rousseau, qui est flexitarienne, comme des monstres parce que nous mangeons des animaux. Il est possible que dans 500 ans... Les animaux soient mis sur le même plan que nous et que des gens se permettent de dire regardez, c'était des ordures, ils se faisaient des barbecues quand même, c'est incroyable. Donc la morale anachronique, j'espère pas qu'on va aller vers cette société-là quand même parce que les barbecues c'est quand même pas mal, mais la morale anachronique, vous le voyez là par, en raisonnant par l'absurde, n'a aucun sens. Il y a des valeurs aussi que dégage la figure de Napoléon qui séduit beaucoup la droite, notamment des valeurs plutôt masculines, plutôt virilistes. Est-ce qu'aujourd'hui Napoléon est une figure de droite Je pense que si l'on considère, si considère Napoléon, qui est national avant tout, comme une figure de droite, c'est parce que Napoléon et ce, ce que je considère comme être le Bonapartisme dégage des valeurs partagées par la droite actuelle avec un grand D, c'est-à-dire euh, l'ordre. Napoléon avait une obsession pour l'ordre, l'autorité de l'État, la grandeur et le rayonnement de la France à l'international. Ça, c'est des valeurs que dégage le Bonapartisme et c'est des valeurs qui aujourd'hui... Sont de droite et qui, je pense, sont de droite. À l'époque, la question euh, ne se posait pas, même ceux qu'on considérait comme la gauche de l'époque, c'est-à-dire les révolutionnaires, les jacobins, avaient aussi une volonté d'ordre, c'était leur ordre à eux, bien sûr. Mais aujourd'hui, dans, dans le schéma politique tel que, nous, euh, tel que nous le vivons, en effet, les, les valeurs bonapartistes, les valeurs napoléoniennes, euh, dégagent ce, cette volonté d'ordre, d'autorité de l'État, de structure hiérarchique, de. Le système monarchique, même parce que c'est ce que Napoléon a, a rétabli, et c'est pour ça que euh, aujourd'hui on assimile Napoléon à la droite, alors qu'à l'époque euh, Napoléon était surtout national, c'est-à-dire un compromis entre cette France d'ancien régime et ses idées révolutionnaires qui existaient, il fallait composer avec. Napoléon a réussi à faire cette, cette fusion entre les deux Il a été. L'interprète, comme le dit, euh, je ne sais plus quel auteur, je m'excuse, mais euh, il a été euh, l'interprète prédestiné des aspirations de son temps. Vous pensez qu'aujourd'hui, la France manque d'une figure politique telle que Napoléon, une qui puisse rassembler C'est justement l'un des piliers pour moi du bonapartisme, c'est le, le providentialisme, l'homme providentiel, sans pour autant vivre dans l'attente d'un homme providentiel, de la même manière qu'il ne faut pas vivre dans l'attente d'un héritier de sang. Là, par exemple, c'est le cas des, des, des royalistes. Mais euh, sans vivre dans l'attente d'un homme providentiel, je pense que le bonapartisme a dans son porte, dans son ADN, dans son essence, le fait que, en situation de chaos, c'était le cas à l'époque, hein, la, euh, la France enchaînait dix ans de guerre contre l'Europe entière, de guerre civile, de persécution religieuse. La France était déchirée comme jamais. Elle a eu cet homme providentiel, Napoléon, qui a su rassembler tout le monde. En quatre ans, il a rétabli la paix dans tous les domaines à l'extérieur comme à l'intérieur, la France a eu besoin de cet homme providentiel qui fait que le phénix renaît de ses cendres. Pour moi, c'est vraiment une valeur fondamentale du bonapartisme et on pourrait l'appliquer aujourd'hui. Alors, qui est l'homme providentiel aujourd'hui, je ne le sais pas encore. Euh, il ne faut pas attendre là-dessus. Il faut évidemment aussi militer, préparer le terrain, euh, travailler pour soi, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut rester dans, dans, dans l'attentisme, mais c'est une valeur forte, c'est un pilier du, du bonapartisme. Pour en revenir à votre chaîne YouTube, vous cumulez aujourd'hui des millions de vues par mois. C'est un contenu qui plaît. Pourquoi est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il y a un tel succès des contenus de, qui prennent des valeurs de droite Parce qu'ils sont rares, tout simplement. Parce que vous parliez tout à l'heure de, de l'explosion. Enfin, je parlais tout à l'heure, suite à votre question, des, des créateurs de contenu vulgarisateurs qui ont explosé en 2014. Et c'est une fois de plus les, euh, ceux qui ne se mouillaient pas trop, les bien-pensants, comme on pourrait les appeler qui ont euh, vite émergé, qui ont été soutenus par le, par le CNC, qui ont eu des moyens, qui ont eu un public. Et je pense que euh, ces chaînes étaient rares il y a cinq ans, mais le sont de moins en moins. On a de plus en plus de contenu de droite sur Internet, et euh, d'ailleurs, ça fait très plaisir. Il y a cinq ans, on n'en était pas là du tout. Donc euh, aujourd'hui, oui, évidemment, il y a une demande, parce qu'il y a un manque, euh, tout simplement, et que les gens attendent une autre vision de l'histoire, une autre vision de la France, de la politique, et... Euh, et de tous ces sujets qui ont été délaissés et qui ont été monopolisés par cette gauche bien-pensante. Vous parliez tout à l'heure du CNC, vous pensez que les contenus de droite aujourd'hui et vos propres contenus sont boycottés par les séries étatiques je pas jusqu'à dire pour pour ce qui est de mon exemple personnel, je je n'ai jamais fait de demande au CNC donc je ne pourrais jamais incriminer le CNC. Euh, mon contenu je le fais moi-même tout seul. Euh, c'est moi qui fais mon montage, mon écriture, euh, c'est moi qui fais tout. Donc je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Je sais que le CNC a un fonctionnement très particulier. Je sais qu'il y a un conseil de gens qui se connaissent un peu et qui se et qui se qui se valident entre eux. Mais vraiment, moi, appliqué à ma chaîne, je pourrais pas vous dire que moi-même j'ai été boycotté ou, ou quoi que ce soit. Mais je sais que bon, ça fait partie de la vie. Hein, les, les gens se, se valident entre eux. Tout est une question de réseau. Et aujourd'hui, un contenu, disons mal pensant, comme il peut être jugé aujourd'hui, a beaucoup moins de chances d'être propulsé, accepté et encore moins financé, bien sûr. Vous pensez que l'algorithme favorise des contenus plus mainstream plutôt que les vôtres je pense que l'algorithme est une bête froide et implacable qui favorise ce qui marche. Donc je ne jetterai pas la pierre uniquement à l'algorithme. Après il y a des modérateurs derrière l'algorithme, des gens qui peuvent stopper. Moi, j'ai jamais eu vraiment de censure par exemple, mais j'ai eu des vidéos où euh, si j'utilisais certains mots comme euh, massacre par exemple, Charlemagne contre les Saxons, j'utilise le mot massacre, le robot YouTube se dit "ou massacre contenu euh, dangereux." bam, il me met en démonétisation. et du coup, je perds totalement mon élan et ma vidéo flop. mais ça, c'est pas un acharnement, c'est le robot qui a merdé. donc, euh, l'algorithme est là pour plaire aux publicitaires. il faut pas oublier que youtube est une entreprise commerciale qui est là pour vendre de l'espace publicitaire. l'algorithme est là pour offrir le contenu le plus lisse possible pour les publicitaires, qu'il s'agisse de, de violence, de politique, de consommation d'alcool ou que sais-je. le robot va être impitoyable et les modérateurs aussi. Donc, euh, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être intelligent. C'est ce que je fais. Je, euh, je vous l'ai dit, je n'ai jamais été euh, vraiment censuré, véritablement censuré sur ma chaîne, ni même sur mes autres réseaux, parce que j'estime œuvrer avec intelligence. J'essaye de, de passer des messages entre les lignes. Je suis pas du tout euh, favorable des gens qui ont une ligne très euh, bourrin, si on peut dire, et euh, qui se plaignent ensuite de, de se faire défoncer par l'algorithme. Moi, j'essaie d'avoir une ligne assez... Euh, Politiquement euh, audible, de passer mes messages de manière intelligente, et pour l'instant, je m'en sors très bien. Si vous avez choisi une ligne frontale et d'y aller comme un gros bourrin, ne vous étonnez pas, vous savez très bien que l'algorithme, le, le, euh, l'argent est contre vous, l'argent de YouTube est contre vous. Donc, pour moi, ça ne sert à rien de se plaindre, il faut juste réfléchir et agir avec intelligence. Vous pensez qu'Internet qu est aujourd'hui indispensable pour que ce genre de contenu idéologique puisse exister Bien sûr, parce que ce genre de contenu, on le voit, on le voit déjà peu sur Internet par rapport à ce qui est mis en avant aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais on le voit encore moins à la télévision. À la... Si on n'avait que la télévision aujourd'hui, on serait inexistant. À part, euh, maintenant, bon, il y, y a ces news qui essayent de, et d'ailleurs, ça fait scandale, parce que attention, une autre voix s'exprime euh, sur les ondes hertziennes, c'est ina... inadmissible. Donc, évidemment qu'on a besoin d'Internet. Internet a été formidable pour ça. Maintenant, encore une fois, maintenant, Twitter est de plus en plus libre également, même si bon parfois ça, ça laisse lieu à des dérives. Mais Internet est un formidable moyen d'exposition. C'est pour ça que je me suis positionné sur Internet et heureusement qu'Internet, que, heureusement que YouTube existe, même si je vous l'ai dit, l'algorithme n'est pas avec nous, etc. YouTube, c'est Google. Heureusement que YouTube existe, heureusement que X existe, heureusement que Instagram, heureusement qu'on a Internet avec d'autres réseaux évidemment, je peux citer Telegram, etc. Mais heureusement qu'on a Internet pour s'exprimer aujourd'hui. La droite sur la toile, c'est aussi un microcosme. Est-ce que vous, vous côtoyez d'autres créateurs de droite Si oui, lesquels Bien sûr, c'est évident. Euh, forcément, euh, quand on commence à créer du contenu et qu'il y a d'autres créateurs de contenu. Moi, de toute façon, c'est comme ça que j'ai fait mon parcours. Euh, je suis parti d'une de... simple licence information et communication qui ne m'a servi à rien. J'ai commencé à écrire sur des blogs, j'ai créé mon site, j'ai rencontré des gens qui avaient d'autres sites qui partageaient les mêmes idées. Forcément, dans la vie de tous les jours, vous devenez ami avec vos collègues de travail, ou pas d'ailleurs, mais c'est naturel. Là, on devient ami avec les gens qui partagent les mêmes valeurs, qui font à peu près le même métier. Donc forcément, il y a un microcosme qui se crée et ça peut paraître un peu euh, exagéré aux yeux de l'extérieur. Mais pour moi, c'est logique. Donc oui, j'ai rencontré via ma chaîne YouTube d'autres créateurs de contenu. Et de plus en plus, je vous ai parlé des cinq dernières années, cinq, six dernières années où il y, y en a de plus en plus qui portent euh, ce message, un message un peu plus euh, impertinent, un peu plus de droite, pourrait-on dire, euh, fier, euh, fier de l'identité euh, française. Donc évidemment que je me suis rapproché euh, de, de ces gens-là, et évidemment qu'on s'en fait euh, des collègues, on s'en fait des partenaires, on s'en fait des amis. J'ai beaucoup de sponsors aujourd'hui sur ma chaîne YouTube qui sont des amis, donc pour moi c'est quelque chose de, de totalement naturel de 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 youtubeurs collègues justement sur youtube il y a énormément de collectifs qui se forment de différents youtubeurs à succès je pense notamment à Hugo Décrypte qui fait des vidéos avec Squeezie et inversement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les créateurs de contenu de droite eux ne sont pas invités à ces événements parce que là on vous parlait de microcosme tout à l'heure on n'est pas du tout dans le même genre de microcosme hein. eux ils sont dans leur justement eux c'est les gens qui sont le plus mis en avant par l'algorithme youtube parce qu'ils font du pur divertissement Divertissement ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petit message politique à hein, glisser derrière. Hein. Mais euh, je ne vois pas pourquoi Squeezie se donnerait la peine d'inviter euh, quelqu'un de, de, de la sphère patriote pour, euh, pour, euh, pour englober les choses larges. C'est des microcosmes qui sont totalement différents. Et euh, avoir un microcosme sur YouTube ne veut pas dire qu'il n'existe qu'un seul microcosme YouTube. D'autant qu'on ne fait pas du tout les mêmes, les mêmes vues, les mêmes statistiques. Et ensuite, tout le monde se regroupe, c'est humain, par centre d'intérêt et par... Euh, valeurs partagées, donc euh, il n'est pas du tout étonnant que, que les, les créateurs de contenu comme moi ou comme, comme d'autres qui partagent mes valeurs euh, ne soyons pas invités euh, dans ces cercles qui sont euh, plus élevés, disons. Malgré cette amitié euh, qu'il qui y a entre, entre, entre patriotes de YouTube, comme vous dites, euh, est-ce que pour vous ça manque quand même d'une certaine coordination Je pense qu'on est un milieu euh, assez euh, débutant déjà, on arrive seulement dans le game, si je peux me permettre l'expression. Donc oui, ça fait quelques années quand même, mais là on arrive dans le game. On commence à avoir plusieurs têtes d'affiche. On commence à avoir un microcosme même économique qui se forme. Il y a des entreprises qui se sont fondées euh, grâce à cet élan. Euh, je pense à Calos, je pense à Terre de France, des gens qui essayent de faire des produits avec des valeurs fortes en adéquation avec nos valeurs justement, des produits faits en France, des produits euh, qui aident des petits artisans. Donc on a créé un microcosme, plusieurs têtes d'affiche et euh, un microcosme économique, un microcosme médiatique. Et je pense qu'on en est encore au tout début et que, comme dans tous les microcosmes, il y a aussi des égos et que forcément, bah, il y a des guerres d'égos et que, étant donné qu'on est encore un peu débutant à la matière, je pense que ça n'aide pas. Vous, à titre personnel, vous n'avez jamais souffert de drama, comme on dit sur YouTube Moi, à titre personnel. Un, peu, un petit ou deux par-ci par-là, mais vraiment, moi, en plus, moi, je suis vraiment dans une niche qui était l'histoire de France et qui est maintenant euh, Napoléon. Je commence à faire un peu plus de provoque en, en me revendiquant de Napoléon, en, en, en parlant aussi au-delà de, de Napoléon et de l'histoire, en parlant de bonapartisme et en étant un peu plus politique, en parlant de Napoléon et l'esclavage, par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, euh, parfois, il m'arrive d'avoir euh, oui, des commentaires négatifs, des, des petits dramas sur, euh, sur X. Mais vraiment, euh, je ne suis pas celui à qui il faut poser la question parce qu'il y a des gens bien plus politisés qui parlent vraiment de politique, qui peuvent parler d'immigration, qui peuvent parler, parler d'économie, euh, qui, je pense, sont plus aptes pour répondre à cette question. Moi, franchement, ça va pour l'instant. Vous, euh, vous avez longtemps réalisé une, une émission qui s'appelait La Petite Histoire sur TV Liberté. Comment on est venu cette collaboration Justement, j'avais lancé ma chaîne en 2014. Je commençais à parler d'histoire militaire à l'époque, j'avais commencé par ça. Puis j'ai élargi à l'histoire de France en général. Et puis, euh, je vous l'ai dit, euh, on parlait de microcosme, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient des sites internet, qui m'ont mis en contact avec d'autres gens. Et là, je suis entré en contact avec TV Liberté. Ils avaient besoin de moi pour toute autre chose, à la base, c'était pour le JT. Et ensuite, comme j'avais ma chaîne YouTube à côté, TV Liberté s'est dit, tiens, ce serait bien une émission histoire chez nous, si tu veux, tu peux la... Présenté toutes les semaines et j'ai fait six ans euh, chez TV Liberté de, de mon émission La petite histoire. Au bout de six ans euh, j'ai commencé à tourner en rond dans les sujets, euh, je prenais un peu moins de plaisir, j'avais vraiment envie de, de travailler pour moi aussi, de, de développer ma propre chaîne et c'est ce que j'ai fait. Donc euh, c'est euh, à partir de ce moment-là que j'ai repris en main ma chaîne YouTube que j'avais un peu mis de côté et là j'en suis pas mécontent parce que euh, j'ai passé les 100 000 abonnés. Et euh, ça marche très bien. Et là, me, je me suis réorienté sur Napoléon. Et j'ai vraiment pour la première fois l'impression de m'épanouir à 100% parce que je parle vraiment de ce que j'aime et de ce qui me passionne. Donc, euh, je suis assez fier de, ce, de cette évolution. Sur quoi est basé aujourd'hui votre modèle économique Alors, mon modèle économique est particulièrement axé sur ma chaîne YouTube. Je vous ai dit que je proposais aussi des cours d'histoire en ligne. Ça, c'est euh, à côté. Puis, je fais quelques collaborations euh, ici et là avec des magazines ou autres. Mais le principal modèle économique aujourd'hui qui me fait vivre, c'est ma chaîne YouTube. Donc, c'est-à-dire, ça se distingue en deux parties. Il y a les publicités YouTube, tout simplement. C'est-à-dire, quand vous lancez ma vidéo, vous avez des publicités qui vous sont proposées. Ça, c'est YouTube, euh, c'est YouTube qui décide, qui vous les affiche. Ça gère, ça génère un petit revenu. C'est, c'est pas énorme. Ça dépend du nombre de vues. Et ensuite, vous avez les, les, les partenaires. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure Calos, Terre de France, la boutique Napoléon, dans laquelle nous tournons actuellement. Ça, c'est des partenaires qui euh, me payent pour une prestation, c'est-à-dire faire la promotion de leurs produits, de leurs marques. Euh, et à chaque fois, je, moi, je veille à, je veillais à. À la base, je veillais à avoir des choses vraiment en rapport avec ma chaîne, comme les Éditions Phoenix aussi, qui est mon partenaire régulier depuis un an maintenant, qui édite des livres, des beaux livres d'histoire. Mais depuis que j'ai augmenté le rythme de mes vidéos, je commence à prendre un peu plus de, de partenaires extérieurs. J'ai fait, fait des sponsors pour euh, des jeux vidéo de stratégie, par exemple. J'essaye un peu de rester quand même dans le thème. Donc euh, c'est ça qui me fait vivre euh, principalement. Ce sont mes sponsors qui euh, me rémunèrent pour euh, parler d'eux dans mes vidéos. Mais euh, j'essaye vraiment de garder le cap sur il faut que ce soit un produit euh, qui me parle, qui, pa qui parle à mon audience et si possible, c'est le cas dans 99% des cas, si possible, qui est en lien avec le thème de ma chaîne. Justement, en parlant de vulgarisation historique, il y a de plus en plus de contenus de vulgarisation euh, de personnages ou même d'histoires qui se multiplient notamment sur, euh, sur TikTok. Quelle est la différence Quelle est votre différence par rapport à, ce, à cela Alors moi, j'ai investi TikTok euh, il y a peu. Et justement, depuis, euh, depuis la rentrée, j'essaye d'être présent. Avant, j'étais vraiment focalisé sur YouTube. Maintenant, j'essaye à chaque fois de faire des, des réels, des, des TikTok, sur Instagram, sur euh, YouTube Short qui commence à se développer. Sur TikTok, je pense qu'il faut investir toutes les plateformes. Et c'est ce que je m'évertue à faire depuis quelques mois. Il y en a qui ont pris de l'avance, en effet. Après, TikTok a un modèle économique unique en France, d'ailleurs. Ils ont créé un fonds pour les créateurs, c'est-à-dire que plus tu fais de vues, il faut des vidéos d'une de minute minimum. Plus tu fais de vues, plus tu vas être rémunéré. Donc il y a un modèle économique à aller chercher de ce côté-là. Il y a aussi des sponsors. Si vous faites énormément de vues sur TikTok, ce qui n'est pas mon cas qui peuvent venir vous chercher pour que vous fassiez la promotion de leurs produits. En fait, le modèle économique est le même. Il, base, il se base sur les vues, donc la notoriété, et sur euh, les éventuels sponsors qui vont venir vous contacter pour vous, pour vous financer. Et là aussi, j'ai parlé d'intelligence tout à l'heure. Si vous y allez comme un gros bourrin, aucune marque et aucun sponsor ne voudra s'afficher avec vous. Donc, pensez intelligent, les gars. C'est vraiment le message que j'ai à, à passer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... À fait se passer de toute subvention publique En tout cas, c'est ce que je fais. Je n'ai aucune subvention publique, je n'ai aucune subvention du CNC. Donc, je pense que ça aide, évidemment. Encore une fois, je n'ai jamais fait la demande ni quoi que ce soit. Ça se trouve, j'aurais eu un financement pour, euh, pour un projet, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire là-dessus. Mais euh, en tout cas, si, je peux, si mon exemple peut, peut parler à ma place, je n'ai eu besoin d'aucune subvention publique. Aujourd'hui, je ne vis d'aucune subvention. Je vis de mes partenaires. Je vis de mes vues. Je vis de, de mes quelques collaborations à droite et à gauche. Pas politiquement. Et euh, voilà. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment dans une démarche entrepreneuriale. Et euh, mon, ma, mon grand plaisir, ma grande fierté dans ma vie, c'est d'avoir réussi à unir ma passion et mon métier. Donc c'est pour ça que je suis, je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Et que et que j'y arrive, je pense que c'est pas étranger à, à cette petite réussite qui qui s'est mise en place. Un mot de la fin. Un mot de la fin, euh, bah, si je peux m'adresser euh, directement aux, aux téléspectateurs, euh, j'encourage vraiment les gens à, à soutenir euh, les créateurs qui peuvent se se distinguer de ce qu'on voit dans le mainstream, parce que le mainstream existe à la télé, existe dans la presse, il existe aussi sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure. Donc euh, vraiment, ça dépend. Énormément de vous soutenez vos créateurs si tel est leur modèle, mais euh, au minimum regardez leurs vidéos, partagez-les, likez-les. C'est vraiment, franchement, abonnez-vous. Et vraiment, je pense qu'il y a euh, quelque chose qui est encore assez jeune, mais qui est en train de mûrir. Et euh, je vous parle là en tant que créateur de contenu. On compte vraiment sur vous pour nous faire entrer dans une autre dimension. Christiane, merci, merci d'avoir accepté cette interview. Merci aussi à la boutique napoléon de nous avoir accueillis aujourd'hui. Euh, merci de nouveau et puis si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner effectivement et à soutenir également cette chaîne YouTube. Rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.